In Extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Exploits de communication, grosses bourdes, discours savants, usage du mensonge ou du silence, vagues médiatiques, mobilisation de l'opinion, émotions et réseaux sociaux. Comment la politique joue-t-elle de nos affects ? Bienvenue sur En Scène, le podcast qui décrypte quelques-uns des outils de la communication politique. Elles sont peu nombreuses, mais très présentes dans le champ médiatique. De Marine Le Pen, chef de file du Rassemblement National, à Thaïs Descuffon, porte-parole de Génération Identitaire, les femmes d'extrême droite montent au front. Comment font-elles entendre leurs paroles et comment surfent-elles sur la féminisation du monde politique ? Pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Lagier, maîtresse de conférences en sciences politiques au laboratoire LBNC Université d'Avignon et associée au laboratoire Sherpa Sciences Po Aix, qui travaille depuis de longues années sur les rapports des femmes aux partis d'extrême droite, avec un focus tout particulier sur le Front National, désormais connu comme Rassemblement National. Christelle Lagier, bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer, je voudrais vous proposer d'écouter deux extraits. Le premier est issu d'un entretien avec Marine Le Pen. Le second est un message du collectif Les Antigones. Écoutez, moi je suis désolée, je dis cela parce que je suis une mère de famille. On s'est fait une soirée pizza avec mes enfants samedi soir. Eh bien, nous avons commandé 5 pizzas, j'en ai eu pour 80 euros. Nous sommes des parents et on apprend à nos enfants qu'on ne ment pas, qu'on ne triche pas. Bonjour à tous, Anne Troupy, présidente des Antigones. Aujourd'hui, nous allons parler famille. Cellule prépolitique nécessaire à la construction de la société, la famille est désormais attaquée autant sur le plan anthropologique qu'économique et social. À l'égard de la famille, c'est que les relations familiales sont désormais considérées non plus comme une source de responsabilité et de devoir, mais comme le lieu de dominations injustes, des ascendants sur les descendants, des hommes sur les femmes. Une famille ainsi déstructurée et décomposée n'est plus en mesure de faire des enfants des hommes libres et responsables, mais seulement des esclaves administrés. Et de cette atomisation résulte surtout la disparition du politique, c'est-à-dire la possibilité du commun. Alors Christelle Lagier, comment à travers ces deux extraits, on a le sentiment que ces femmes s'inscrivent finalement dans des mouvements qui valorisent des codes plutôt anciens, des valeurs familiales fortes, et comment elles se les réapproprient exactement ? Le discours reste conservateur, hein, voire profondément réactionnaire, au moins autant par fidélité à la tradition politique incarnée par le Rassemblement National, mais aussi par souci sans doute de distinction avec les mouvements féministes historiques, hein, de la première et de la deuxième génération. Donc on a effectivement des discours qui sont calés sur un modèle de la famille très traditionnel, mais qui sont portés par des femmes qui ne les incarnent pas, parce que finalement ces femmes sont d'abord des femmes de leur temps, hein, elles sont rarement mariées, elles ne sont pas mères de familles nombreuses, et puis elles n'ont pas vocation à renoncer à des carrières, hein, qu'elles soient politiques ou médiatiques, pour se consacrer à la famille. Donc on a ce paradoxe, en fait, et cette forme de réappropriation d'un discours assez conservateur, mais sous les allures d'une présentation très moderne, en fait, de ces jeunes femmes. Alors, comment ça fonctionne exactement auprès de leurs électeurs, et plus particulièrement de leurs électrices ? Alors, auprès des électrices, on n'a pas, il y a pas vraiment d'effet qui peut être mesuré, hein. Dans le domaine de la politique, la politique reste un domaine masculin. La compétence politique est d'abord attachée à la figure masculine, et les femmes n'ont pas le sentiment qu'en votant pour des femmes, elles votent pour la compétence. Donc, elles sont souvent pas plus réceptives, en fait, à ce type de discours, et les femmes ne votent pas plus pour des femmes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas à démontrer, du moins empiriquement ou par le biais d'analyses quantitatives. Après, évidemment, il y a une bonne réception de ces discours aussi parce qu'il y a un effet générationnel très fort. C'est-à-dire qu'il est souvent porté par des jeunes femmes. Alors, bon, Marine Le Pen est plus âgée, mais là, les figures qui s'imposent aujourd'hui dans ces nouveaux courants dits féministes conservateurs, je ne sais pas comment on peut les qualifier, bah, ce sont souvent des figures jeunes qui visent à renouveler l'élite avec ce sentiment finalement qu'on a des discours qui sont portés par de plus jeunes filles et qui peuvent avoir un écho auprès des jeunes de manière générale et pas seulement des femmes.
Alors justement, vous le dites extrêmement bien, notamment dans votre article pour The Conversation, sur les renouveaux des codes de ces jeunes femmes. On pense notamment à Marion Maréchal, mais aussi à Thaïs Descuffons, qui finalement sont peut-être tributaires de la stratégie dite de dédiabolisation hein, qui a joué au sein du Rassemblement National, anciennement Front National. On a le sentiment que ces jeunes femmes, comme vous le dites, utilisent aussi les codes de leurs époques, les médias. Je pense particulièrement à YouTube. Je vous propose d'écouter deux extraits qui sont assez intéressants. Le premier, il s'agit donc de Marine Le Pen qui utilise elle-même YouTube pour essayer de jouer la carte de la proximité en mettant en avant sa passion pour les chats. Bonjour à tous mes amis pour ce troisième épisode de ce Facebook live qui permet de nous voir, qui me permet de répondre à vos questions. Je suis désolée pour samedi dernier, je vous ai fait faux bond, mille excuses, mais je vous avais prévenu qu'on risquait d'être interrompu dans nos projets. Alors voilà, vous voyez, ça c'est la petite Paloma, j'espère que vous voyez bien, qui nous a fait quatre merveilleux petits. Tout s'est très bien passé, j'essaye de ne pas avoir le reflet de la glace. Ils vont tous bien, mais du coup, écoutez, ça a été un peu long. On y a passé la journée, mais bien sûr, vous comprenez bien que c'était une priorité. Puis après tout, ça fait du bien d'avoir de temps en temps des bonnes nouvelles aussi dans ces moments qui sont évidemment très compliqués. Dans un deuxième extrait, je vous propose d'écouter cette fois Thaïs Descuffons, donc porte-parole du mouvement Génération Identitaire, qui revient sur les coulisses de l'émission Balance ton poste avec Hanouna, à laquelle elle a participé très récemment. Je prends enfin le temps de vous faire une petite vidéo sur les coulisses de mon passage jeudi soir dans Balance ton poste. Je suis désolée pour le retard que celle-ci aura pris, j'ai été un petit peu occupée les jours qui ont suivi l'émission. Que pensez-vous, Christelle Lagier, de ces stratégies, de ces modes de communication, de ces jeunes, de ces jeunes cadres, finalement, aujourd'hui, de ces partis d'extrême droite ? Alors, la confrontation entre les deux extraits est tout à fait intéressante, parce qu'on a d'un côté une professionnelle de la politique qui joue la carte de la proximité, en se mettant en scène dans sa vie personnelle, et notamment au travers de son amour pour les chats, pour aller toucher inévitablement au-delà de la politique. Et puis, on a de l'autre côté une jeune fille qui débute sa carrière on va dire plutôt médiatique que politique, dans un mouvement qui n'est pas un parti politique, mais qui est un groupuscule d'extrême droite, et qui, elle, joue la carte de la professionnalisation. Donc, on a ce double mouvement, c'est comment on arrive à trouver, finalement, cet entre-deux, des professionnels de la politique, parce qu'il faut être professionnel pour pouvoir se réclamer d'une certaine compétence, et en même temps, des jeunes personnes qui se présentent en marge du champ politique, parce qu'on a aujourd'hui une vision du champ politique qui est relativement délégitimée, et qu'il est très difficile d'y faire sa place si on s'assimile aux élites traditionnelles de la politique. Donc, je trouve ça tout à fait intéressant de confronter justement ces deux extraits. Pour autant, je ne regrette rien de ce que j'ai dit dans le fond. En revanche, c'est la forme, effectivement, qu'il va falloir que je travaille. Et d'ailleurs, j'ai hâte de m'entraîner encore davantage et que ce genre d'expérience puisse se renouveler afin de toujours m'améliorer et représenter au mieux nos idées sur les plateaux de télévision ou autres. C'est tout à fait intéressant, ce format utilisé par ces responsables politiques ou ces agitateurs, on va dire, qui s'adressent directement en fait aux citoyens. Donc, il n'y a plus de médiation de la parole par les organes traditionnels que sont la presse ou que sont d'autres moyens. On est vraiment en conversation directe. Et dans ces conversations directes, on va aborder des sujets qui sont susceptibles de toucher les électeurs ou les électrices potentielles. Donc, on est vraiment là dans une démarche de proximité qui est celle que jouent traditionnellement les partis politiques et les hommes et les femmes politiques qui se jouent en campagne électorale en général. On va à la rencontre des citoyens, ceux dont on est un peu éloigné d'habitude. Là, on peut le faire de manière quotidienne et dans un dialogue direct en fait, avec ces interlocuteurs. Vous avez évoqué donc Marion Maréchal et sa façon de jouer finalement sur les deux tableaux, à la fois utilisant sa jeunesse, la mettant en avant, allant au contact des citoyens, tout en forgeant sa place de professionnel politique. Nous avons donc cette personne que vous avez interrogée et qui dit « ça n'a rien à voir avec Marine, Marine devrait être comme Marion ». Ouais, Marion, je l'ai déjà vu, ouais. Je suis resté couac. La façon dont elle s'exprime à 22 ans, elle a clairement sa place à l'Assemblée nationale, ouais. Mais maintenant, c'est ça, le FN. Ça passe par des jeunes comme ça. Ça n'a plus rien à voir avec Marine Le Pen. Marine, elle devrait être comme Marion. Que révèle cette information, selon vous comment pouvez-vous la contextualiser et que révèle-t-elle aussi des attentes, finalement, des électeurs, on va dire, frontistes à l'époque et Rassemblement National aujourd'hui ? Oui, alors pour situer un petit peu les choses, c'est effectivement un extrait d'entretien recueilli auprès d'un
d'un électeur hein, du Front National dans le sud de la France à l'occasion de la campagne des municipales en 2014. Il est inscrit sur une nouvelle liste Front National. Il suit une tête de liste qui est complètement inconnue et qui va effectivement gagner la municipale. Et il s'engage en fait avec sa femme dans cette grande aventure, avec cette impression finalement de pouvoir dire tout haut ce qu'il pense depuis des années et de ne pas ruminer chez lui, mais au contraire d'avoir l'impression d'avoir une expression publique. Effectivement, la figure de Marion Le Pen, hein, qui sur les terres du sud de la France s'est imposée par un charisme évident, par un travail aussi assez intensif hein, de diffusion de sa présence aussi sur le terrain. Et elle apparaît comme une jeune fille, hein, cette nouvelle génération qui est beaucoup plus posée aussi que Marine Le Pen. Ce qu'il y a dans l'extrait là, hein, c'est vraiment cette idée qu'on a affaire à quelqu'un de sérieux, qui quelque part est beaucoup plus professionnel, beaucoup moins susceptible de s'emporter et qui donne une image de sérieux en fait et de renouvellement du parti qui est attendu aussi par une partie de l'électorat. Marion Maréchal Le Pen, aujourd'hui Marion Maréchal, a réussi à s'imposer et elle utilise une stratégie que vous qualifiez donc de métapolitique hein, en s'appuyant sur une forme de rhétorique intellectuelle, notamment avec la création de son école. Je vous propose d'écouter deux extraits. Le premier fait suite justement à la création de l'école de Marion Maréchal, et le second, il s'agit de Marion Maréchal à la convention de la droite. Mais en effet, il y a 3 ans de cela, j'ai lancé une école de sciences politiques et de management. Tout à fait. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller au-delà de la formation et de pouvoir aller sur le terrain du débat public et porter un certain nombre de solutions et de propositions qui aujourd'hui me semblent absente du débat public dans un espace intellectuel que je trouve sous-investi, si je puis dire, en particulier dans le milieu universitaire qui est le nôtre et le milieu de la recherche, qui pourrait se résumer autour de la question du souverainisme, de l'identité, de la sécurité bien sûr, de la question de la puissance. Et donc je trouve qu'il y a là-dessus un sujet absolument fondamental à porter. Pour ce qui est de votre question, je dis juste le cap centre. Vous avez dit centre d'analyse et de prospective. Voilà. En effet, voilà. Donc une forme évidemment le nom n'est pas anodin puisqu'il s'agit, je l'espère, de pouvoir dégager une forme de ligne directrice pour la France de 2030, d'une certaine manière. Avons-nous véritablement d'autres solutions que de reconstruire et de réunir par une vision de l'homme et de la société ? Certains disaient que finalement la métapolitique n'avait aucun intérêt. Mais d'où partons-nous ? Cela fait 30 ans objectivement que la droite ne réfléchit plus, ne raisonne plus et n'a plus grand-chose à proposer. Et donc je suis convaincue que ce travail des idées, il est évidemment un préalable indispensable à la victoire politique. Christelle Lagier, comment qualifierez-vous cette stratégie utilisée par Marion Maréchal ? Alors je pense qu'il faut vraiment distinguer la figure de Marion Maréchal, ou Marion Maréchal Le Pen, je ne sais plus, mais effectivement il faut la distinguer de ces agitateurs ou de ces agitatrices qu'on retrouve dans des mouvements qui sont parallèles en fait au champ politique, parce que c'est une professionnelle, parce que effectivement elle s'inscrit dans un héritage à la fois familial et idéologique, hein, qu'elle a une vraie ambition politique, elle ne le cache pas, hein, et elle est dans une stratégie de long terme. Donc, à l'évidence, son retrait de la vie politique est stratégique, hein, c'est-à-dire qu'élue à 21 ans ou 22 ans comme députée, c'est très compliqué pour elle de s'engager dans une carrière politique sans rapidement s'user, hein, et finalement donner le sentiment elle aussi qu'elle s'est installée dans cette carrière. Son retrait lui permet effectivement de développer une stratégie de long terme. Alors, le concept de métapolitique, c'est un concept qui a servi à désigner hein, dans les années 70 le courant de pensée de la nouvelle droite. Hein, c'est vraiment cette idée finalement qu'on va mener le combat culturel hein, dans un héritage gramscien, on va dire, avec cette idée que finalement c'est sur la bataille des idées qu'il faut gagner les choses pour pouvoir arriver en politique. Elle est dans ce jeu-là avec la création de son école, avec la création de son centre de recherche, avec cette idée qu'elle va alimenter le débat intellectuel et le débat public et qu'elle va progressivement décentrer en fait ce débat pour le ramener vers les valeurs de la droite hein, et de la droite dure, de la droite extrême. Donc on est dans une vraie stratégie de long terme qui, à mon avis, a assez peu à voir finalement avec les stratégies qui sont mises en place par des agitateurs du web, on va dire, qui sont dans un court-termisme, hein, c'est-à-dire qu'ils réagissent à une actualité de manière très immédiate, mais ils ne s'inscrivent pas nécessairement dans la durée. Alors, qui sont ses alliés justement sur le plan intellectuel, les alliés de Marion Maréchal Le Pen ou d'autres acteurs politiques notamment, on pense par exemple à des journaux qui sont plutôt proches d'elle, on pense à l'Incorrect, à Valeurs Actuelles, mais on pense aussi à d'autres intellectuels hein, comme Éric Zemmour par exemple.
Alors, il y a un relais évident hein, pour ces idées-là, pour cette droitisation du débat public et du débat politique dans le champ médiatique, c'est évident, mais dans le champ politique aussi. Hein, c'est-à-dire que la forte porosité qu'on observe depuis maintenant une vingtaine d'années entre la droite et l'extrême droite, la droitisation hein, de la droite républicaine a évidemment joué. C'est-à-dire que les thématiques portées par l'extrême droite depuis le début des années 80 sont des thématiques qui inondent aujourd'hui le champ politique, qui reviennent de manière systématique à l'occasion des campagnes électorales. On le voit, le débat là sur le séparatisme hein, qui s'est invité dans le débat public, hein, évidemment toute la polémique autour de l'islamo-gauchisme dans les universités. On est vraiment sur la mise à l'agenda public, à la discussion publique de débats qui sont évidemment le précaré de l'extrême droite et qui inondent le débat public. Alors oui, elle a ces relais médiatiques dont vous parlez, elle a effectivement ces relais intellectuels. Alors est-ce qu'on peut parler d'intellectuels ou est-ce qu'on peut parler encore une fois d'agitateurs, je ne sais pas. Voilà, et certains se revendiquent même d'être des lanceurs d'alerte. Donc, on utilise hein, des termes qui sont plutôt utilisés à gauche de l'échiquier politique pour se revendiquer d'une stratégie de perturbation du champ politique. Donc, les relais sont là, ils sont là dans les médias traditionnels. Ils le sont clairement. Moi, je pense que dès qu'une campagne électorale s'ouvre sur les thématiques de la sécurité, sur les thématiques de l'immigration, on est évidemment dans le précaré de l'extrême droite et c'est là-dessus qu'il a… Il est évidemment plus fort que les autres formations politiques. Alors, est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire, finalement, dans le discours, on va dire presque traditionnel, de l'extrême droite, en tout cas qui était celui de Marine Le Pen, de s'afficher comme étant anti-système, anti-élite, finalement en créant une école qui se veut l'équivalent d'un Sciences Po conservateur, finalement, de s'associer avec des personnes qui pourraient être vues comme des intellectuels, qui écrivent des livres, des journaux. Est-ce que, quelque part, on n'est pas en pleine contradiction? Oui, mais il y a une revendication hein, très clairement d'aller sur le terrain des élites. Hein. Alors, on joue effectivement sur la différence générationnelle, hein, sur le fait aussi qu'on a un système qui est à bout de souffle et qu'il faut renouveler. Donc, il y a une critique des élites en place, mais qui sont aussi largement critiquées sur leur incompétence, avec cette idée qu'elles ne sont pas à la hauteur de la situation. On est dans une situation critique où il faut prendre de nouvelles décisions. Donc, l'enjeu, c'est vraiment ce renouvellement des élites qui est une problématique hein, qu'on a déjà vue dans l'histoire. Hein. On voit la création de l'École libre des sciences politiques à la fin du 19e siècle. C'est déjà l'idée d'un renouvellement des élites pour appréhender la situation difficile de la fin de siècle hein, et la situation chaotique aussi de la Troisième République. Donc, on est dans la même logique. Hein. On est là, comment on va renouveler un système? Il faut des personnes compétentes, renouvelées, avec des idées nouvelles. Et on vous présente en fait comme idées nouvelles, hein, des idées qui sont évidemment profondément réactionnaires. Alors, Christelle Lagier, vous le dites très justement, des nouvelles élites avec des idées qui sont neuves aussi pour renouveler un petit peu les discours et les programmes, mais aussi des mots assez récents ou assez neufs, qui ne sont pas sans lien avec l'alt-right telle qu'elle peut être connue dans d'autres mouvements européens identitaires ou aux États-Unis. Ce sont des mots d'un nouveau racisme, d'une certaine façon. Je vous propose d'écouter les Némésis. Un collectif de jeunes femmes qui se revendiquent comme féministes, mais avec une vision assez particulière du féminisme. Et donc nous avons décidé voilà, donc de mettre en avant ce côté des violences faites aux femmes, que ce soit au sein de son foyer, mais que ce soit aussi sur l'espace public, notamment à cause de l'immigration, puisque je pense que chaque femme qui aujourd'hui est dans l'assistance le sait, généralement, elle n'a pas peur de Jean Babtou qui se balade avec ses copains, généralement, c'est plutôt Jean Rachid qui lui fait peur, en tout cas, et qu'elle essaye d'éviter dans ces cas-là, quand elle a le malheur de le croiser lui et ses petits amis. Ça, malheureusement, il n'existe pas de statistiques ethniques faites pour l'instant en France, en tout cas. On a ceux de des pays frontaliers de la France qui expliquent bien que oui, en général, dans la majorité des cas d'harcèlement de rue ou de viol par une personne inconnue, c'est, j'ai pas les chiffres en tête, mais dans la grande majorité des cas, voilà, c'est par des personnes issues de l'immigration. Et quand je dis l'immigration, c'est évidemment pas l'immigration européenne, c'est l'immigration qui vient du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Christelle Lagier, comment réagissez-vous à ce type de discours de ces jeunes femmes qui clairement sont très, très militantes et également remontées finalement contre les attaques dont elles font l'objet? Alors, sur la nouveauté, voilà, il n'y a de nouveau en fait que le fait que ce soit des jeunes filles, hein, c'est-à-dire qu'on est effectivement sur une image moderne. Après, derrière le discours, hein, c'est les fondamentaux classiques des partis d'extrême droite, ce que certains chercheurs appellent la racialisation des rapports de sexe. On est vraiment dans cette idée qu'on va utiliser la rhétorique féministe hein, pour défendre un discours raciste, très clairement. On désigne l'ennemi, hein, l'ennemi, ça devient l'homme forcément
forcément étranger, alors en France, plutôt maghrébin, d'origine musulmane, qui est désigné comme l'ennemi de la société. C'est une rhétorique qui est très classique dans les discours racistes. Hein. On le voit, vous parliez de l'alt-right aux États-Unis, effectivement repris par un certain nombre de collectifs. Alors, il y a quand même de la confusion derrière tout ça, c'est-à-dire qu'on va désigner des ennemis, hein, c'est traditionnel, et là, on prend le prisme de la femme pour montrer en fait la menace qui pèse hein, sur la civilisation blanche et sur la civilisation européenne. C'est très lié aussi à toutes les revendications masculinistes hein, qui existent aussi dans un certain nombre de pays hein, et qui sont portées par des mouvements. Et on se retrouve effectivement dans ce discours réutilisé, discours raciste, réactualisé en fait, hein, qui n'a rien de nouveau hein, finalement, mais qui se sert des mouvements féministes justement pour lui donner une forme de modernité. Christelle Lagie, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques au laboratoire LBNC Avignon Université et chercheuse associée au Sherpa Sciences Po Aix. Donc pour aller plus loin, j'invite nos auditeurs à retrouver votre dernier article dans The Conversation France, Marion Maréchal, l'héritière qui bouscule les codes du champ politique. Vous avez également publié en 2017 Le Vote FN pour une sociologie localisée des électorats frontistes chez Debec Supérieur. Vous avez écouté Anselme, le podcast qui décrypte les outils de la communication en politique. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à notre newsletter quotidienne, elle est gratuite. Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.